Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui elle est un peu spéciale, ça va être la première d'une longue série, je l'espère. C'est une attaque d'un autre joueur, donc une attaque mercenaire. Donc pour ça, je vais vous dire déjà les troupes que je vais utiliser. Donc 4 barges de gros bras, donc il y a 19 gros bras, et 3 barges de Zouka, il y en a 27. Donc mes gros bras sont niveau 16 et mes Zoukas sont niveau 15. Je vais vous montrer la map que je vais attaquer. Donc elle est niveau 42, elle est largement inférieure au mien. Je suis 46, donc ce joueur est 42, Young. Et donc ce joueur, il y a beaucoup de maps. Je rencontre beaucoup de personnes avec ce type d'organisation de map, avec le QG un peu au milieu et tous les bâtiments non défensifs derrière. Il suffit que je pète les deux lance-roquettes, que je passe derrière et que je me fasse un tas d'énergie. Je vais d'ailleurs faire cette attaque et je vais vous montrer. Cette attaque peut avoir l'air compliquée, mais pas du tout. Regardez comment je vais faire pour détruire cette map. Donc je détruis les deux lance-roquettes qui sont situées derrière le QG du premier coup, comme ça me laisse beaucoup d'énergie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lancer tout à gauche, ou tout à droite, mais là c'est tout à gauche en l'occurrence, fusée éclairante, et je bombarde comme si j'étais des guerriers en fait. Et je les mets tout au fond. Il y aura de la perte, c'est sûr. Et voilà, mes troupes sont passées derrière. Je vais encore plus les reculer. J'ai plus beaucoup d'énergie, mais je vais m'en faire un paquet. J'ai perdu presque une barge entière de Zouka, mais aucun gros bras. Donc là, en plus, en détruisant des bâtiments non défensifs, ça diminue le point de vie, les points de vie du QG. Là, je vais détruire le canon avec deux obus. J'ai utilisé deux obus. Je vais vous montrer à la fin de l'attaque les niveaux de mon artillerie, de ma canonnière. Et là je vais focus le QG. Je pense que j'ai assez de points pour Taz. Et donc là je fais full Taz. Je soigne un peu mes troupes, donc ça sert un peu à rien, puisque j'ai déjà fini le QG. Donc tous ceux qui ont face à eux des joueurs avec ce même type d'organisation, si vous pensez pouvoir faire la même chose, faites-le, n'hésitez pas. C'est un peu malin, passer par la gauche, passer sous des fumigènes. Faut être précis, mais allez, je dirais 90% ça passe. Donc je vais vous montrer. J'ai utilisé obus niveau 16, barrage niveau 10, fumigène niveau 2, fusée éclairante niveau 5. J'ai rien utilisé d'autre à part la canonnière qui elle niveau 16, c'est ça. Voilà, donc première attaque de mercenaires, donc d'un autre joueur. Je vais en faire plein, je pense, parce que ça peut aider plein d'entre vous, je l'espère. Voilà, donc on se quitte sur cette vidéo. Je vous dis à plus pour une autre vidéo, je ne sais pas encore sur quelle attaque, vous le saurez très bientôt. Donc je vous dis à la prochaine, salut.